Salut à tous et à toutes, bienvenue donc pour nous l'épisode de Baobab qui s'éclate sur Action Rival. Il est 20h17, nous sommes le dimanche 1er mai 2022. Alexa, tu mets une alarme dans 25 minutes. 25 minutes à partir de maintenant. Alexa, tu mets une alarme dans 30 minutes. Deuxième minuteur, 30 minutes à partir de maintenant. On prend tenue dans et outils. Alors, tu as une caisse de démarrage, je crois. Ouais. Ah, il faut réparer la tenue. Ah oui, en effet, effectivement, oui. Oui. Dans l'atelier. Alors, il te faut de la fibre. Je crois que tu l'as rangé la fibre, non? Je sais même plus. Là, non? Bingo. Allez, on va ranger ça. Réparer ça, les gants. Pantalon. Le plastron. Et la tête, voilà, super. Qui c'est qui t'avait fait la misère comme ça? Je sais plus. On va voir armoire à dos. Allez. Voilà, armoire à dos. Le trissé? Oui, le 150, effectivement, ça y est, je me rappelle. Celui-là que t'as mis en prison, mais il a pu s'échapper. Exactement. Regarde ce que j'ai posé sur le radeau. Voilà ce que tu as posé sur le radeau. On récupère cryo carbo. On enlève encadrement, porte posée au-dessus. Hein? Oula. Ceux d'en haut, là? Tout là-haut? Je sais pas si je vais pouvoir l'atteindre. Hein? C'est ça? On laisse ceux au sol, d'accord. Oh, ok, c'est bon. Oula. Qu'est-ce que je fais là? J'enlève les deux là aussi, niveau 2. Ça, je te suis pas trop. Juste ceux du sol, on laisse. Ouais, on laisse une hauteur, d'accord, ok. Ça marche. Voilà, ça y est, on laisse qu'une hauteur.
12 encadrements de porte. Allez. Une, deux. Bois, branchage, pierre. Ah, les balustrades, on verra après. On va déjà faire les 12. Oh là, t'as un panneau bien écrit, là. Je suppose qu'on va au Bronto. Non, t'as pas de pierre. Je te prends du bois. Je te prends du branchage. Et on va faire de la pierre. Près du Bronto. Donc, on a déjà fait 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, ça y est. Tu as tes 12. Bah ouais, faut regarder les panneaux, ouais. Ça c'est clair. Ça c'est une des premières choses à faire, mais bon. Donc tu as tes 12 balustrades. 16 balustrades, carrément. Tu l'as débloqué la balus? Je sais pas. Je crois pas. Tu l'as pas débloqué? Ça c'est quoi ça? Balustrade en bois, et toi tu veux en pierre. En bas? J'ai pas vu, hein. C'est en bois. Ah ouais, non. Fondation en pierre, pour enclos. Non, non, t'as pas les balustrades, hein. Tu les as en bois, mais pas en pierre. Ouais, c'est fondation, ouais. On débloque. Ouais. Okay. Balustrade en pierre. Voilà, c'est débloqué. Donc, on va chercher l'engramme. Voilà, il est là. Et tu m'as dit 16. Une. Deux, trois, quatre, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. 11, 12, 13, 14, 14. Et 16. Voilà, ça y est. Tu as tes 16 balustrades et tes 12 encadrements de porte. Oh, ça va assez vite. Je te remets le bois là-dedans parce que c'était un peu lourd et le branchage. Voilà. Donc là, t'es pas trop mal. On débloque, on dépose tout dans le Bronto. Ah bon? Allez. Juste garder tes armes et tes vêtements. On fait 3 rampes en bois. 3 rampes en bois. Alors, attends, qu'est-ce qu'il va. Je sais que tu l'as débloqué, les rampes en bois. Bois, branchage, fibre. Bois.
recharge. Fibre. Une, deux, trois. Voilà. Et trois escaliers en pierre. Alors, des escaliers en pierre, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Trois pareils, hein. Du bois. Et de la pierre. Une, deux, et trois. Voilà, c'est fait. On va avec Bronto près du radeau après. Ok. Regarde panneau après. Voilà, t'es pas mal. Allez, on va voir le panneau. Oh, on a appris que des barbares voulaient prendre cette île tant que leur QG ne sera pas détruit. Ils essaieront de vous faire partir. Il faut détruire leur drapeau vert. On vous dira où se trouve leur QG. Alors voilà, ça devait arriver. Il y a des barbares qui veulent s'emparer de cette île. Donc, pour éviter leurs attaques, il faut péter leur QG. Et on ne sait pas où il est encore pour l'instant. Alors, soit vous affrontez, ou soit... vous faites lyncher ou vous déménagez, quoi. Aïe. Je pense que si vous vous défendez bien, vous pouvez avoir des récompenses. Si vous pétez leur QG, l'attaque se terminera et vous pourrez avoir des récompenses. Ou alors, vous pouvez tout perdre, quoi. On va chercher le QG. Tu leur pètes la chetron. Alors, il faut détruire leur drapeau vert. On vous dira où se trouve leur QG. Je pense qu'il faut attendre des nouvelles. Après, si tu veux chercher, il n'y a pas de problème. Hein. Apparemment, leur drapeau vert, il se trouve au QG. Il faut péter leur drapeau vert. Voilà. On se prépare alors. Bah, on se prépare, ouais. Faudrait peut-être penser à la défense, hein. C'est pas parce que c'est une île des bisounours qu'il n'y aura pas de... Hein. Peut-être se fortifier, défendre, voilà, hein, parce que je pense qu'il va y avoir un petit peu de PVP, là, faire gaffe. Hein. On va au radeau, allez. Et ouais. On est au radeau. On pose les rampes. Ben, on les pose où? Tu les poses où, les rampes? Là où il y a les trois entrées? Eh, qui sont ces barbares? Ouais, je veux bien ça. Ouais. Mmh. Sur le côté de la plage. Alors, attends, faut que je pousse lui. Au milieu? Non. Attends. Attends. Enfin, si tu veux, je mette les rampes. Il faut que je bouge le bronto, non?
Tu les mets où? Les rampes ici? Une, deux, trois, c'est ça, au centre? Vas-y, tu me dis. Hein. Je suis prêt à donner un coup de main. Ah, pas de problème, Raptor. Hein. Bah, il y aura d'autres instructions, c'est pour vous préparer. Hein. Voilà, ils vont pas vous prendre à la gorge, les barbares. Hein. Voilà. Donc, nous, on a su que il y a des barbares qui voulaient cette île. Bon, voilà. Hein. Donc, ça va être soit eux ou soit vous. Hein. Sur la gauche. Là. Est-ce que je mets là? Tout à fait, Raptor. Tout à fait. Il a un bon Rex. Mais bon. Ouais, ok. En voilà une. Après, je suis 1, 2, 3, c'est ça? 2, 3. Tu me dis oui, je fais ça. Hein. Eh oui, bah, d'accord, ok. Pas de problème. Voilà, ça y est, c'est bon. Bah, voyons, il va faire glace avec ceux que papy, il a. Non, mais c'est barbare, c'est... C'est pas des gros barbares non plus, Accent. Non. Bon. On va chercher encadrement porte. Bah, ils sont juste là, hein. Encadrement porte. Voilà. Voilà, tu as les 12. Dans Bronto, ouais, ouais, tout à fait, ils sont juste là. Tu me connais. Ah bien. Hein. Stressez pas, hein. Vous inquiétez pas. Il risque d'avoir des surprises et tant pis pour eux. Ah ouais, Accent, tout à fait. Faudra mettre des plantix, peut-être. On pose trois encadrements en face des rampes en faisant plafond. Hein, en laissant un plafond vide. Oula, alors là. Je les mets face aux rampes, d'accord. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3. Non. Ah bon. Alors, je monte sur les rampes. Voilà, je suis sur les rampes. Recul d'un plafond. Un, deux, trois. Est-ce que là, c'est bon? J'ai reculé d'un plafond. Ouais, ah, d'accord, ok. Ah, c'est pas évident. Hein. On ferme le tout. On ferme le tout. C'est-à-dire. Là, je vais pas pouvoir fermer parce qu'il y a le feu qui va gêner. Je sais pas si je comprends bien le truc. Ah non, on peut le mettre. Donc là, comme ça, on ferme comme ça. Là, 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 là. C'est ça? Est-ce que c'est comme ça? Voilà, on ferme comme ça. Avec le reste des... oui, d'accord, oui, ok.
Voilà, monsieur. Est-ce que ça te va comme ça, Baobab? Ouais, c'est bon. Ah, bah tant mieux, tu vois, on y arrive, hein. Patience, hein. On prend les escaliers. Ils sont dans le bronto. Ah non, ils sont là. Voilà, on a les escaliers, je les ai. Donc tu veux les mettre où? Explique-moi bien. On les met à la suite des rampes. Ah bon? Alors, tu vas me dire, à la suite des rampes. Comme ça? J'en mets un, tu me dis si c'est ça, je mets les deux autres. Attends, faut que j'y arrive. C'est qu'il est? Non, c'est pas ça. Enlève-moi ça. Détruire, non, non. Changer pour rampe. Ah, attends, donne-moi-le. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Changer pour escalier. Je peux pas le récupérer, dis donc. C'est quoi cette histoire? Je peux pas le récupérer. Faut que je le détruise, faut que je t'en refasse un. On peut changer un escalier en rampe, vous avez vu? Une rampe en pierre. C'est fou, ça. J'ai jamais vu des rampes en pierre, moi. Et ben là, on peut le faire. Donc là, ça doit être comme ça, normalement. Attends. Voilà. Ok. Eh, c'est pas évident en mettant. Ouais, j'étais obligé de. Voilà, comme ça, hein, tu m'as dit, hein, voilà. Ok? Ouais, c'est bon comme ça, d'accord. Il faut que je te refasse un escalier, je suis désolé. Qu'est-ce qui manque? Escalier, escalier. C'est qu'il est? C'est celui-là, non? Non, ça c'est escalier en bois. Il est où cet escalier en pierre? Il est là. Il manque de la pierre, 8 pierres. 8 pierres, non, attends. 8 pierres, vite, vite, vite. Je vais les ramasser, ça va être plus vite. 4, 6, 8. Voilà, ça y est, je t'ai ramassé 8 pierres. Allez, on va le mettre à la suite. Voilà. Voilà, Baobab, ça y est, c'est bon. Pec, c'est ça que tu voulais, hein. On prend les rambardes, d'accord, les balustrades. Ah, ils sont dans le bronto. Voilà, on a les balus. Alors, tu les mets où? Explique-moi bien. Comme d'hab. On les pose sur les encadrements sauf au niveau des escaliers. On les pose sur les encadrements. Ça y va là-haut? Ah bon? Ah ouais. Comme ça. Tu me dis oui, tu me dis non. Sur les encadrements, ça peut être tout ça. Voilà, sauf sur les escaliers. Je les mets pas. Voilà, d'accord. C'est stylé ton truc là. C'est cool, hein? On détruit le lit. Allez. Il va gêner le lit. Voilà, on a détruit le lit. On en refait un? Alors, on fait un lit. Bois pot. Il n'y a rien là-dedans. Non, il n'y a rien là-dedans. Attends, faut sortir de là-dedans. Et... Derrière le poste de pilotage. D'accord. Donc bois pot. Je pense que là, on va trouver du bois, mais peut-être pas de la peau. Ah, il n'y a même plus de bois là. Peut-être trouver ça à l'intérieur.
Ah, pour Alexa, stop. Il me manque un peu de bois. J'en ai pas là. Ah, bah là. Non, là c'est la caisse de démarrage. Il me faut du bois. Ah, ça y est, j'en ai là. On fait le lit. Je remets le bois là-dedans. Et on le met au poste de pilotage. Alors là, il y a l'armoire qui gêne. Voilà, je te le mets là. Hein. Ok. Est-ce que tu le nommes ou pas? Voilà, je te le mets ici. Derrière le poste de pilotage. Ben voilà. Est-ce que je te le nomme ou pas? Rado Raptor. Bon, Rado, c'est bon. Hein. Rado Raptor. Oui. Tu es dans le mode rangement, hein. Attention, hein. Raptor. Attention, attention. Tu as du matériel sur toi. Hein, Rado Raptor. Ah oui, non, je trouve. Ouais, d'accord, pour les raptors, je pensais que c'était le personnage raptor, pour ça. En pose tenue et outils d'encaisse, allez. Faut mettre porte. Parler à porture. Ouais, on avait un souci, Baobab, la dernière fois avec les raptors, c'est vrai que c'était le chocolat. Hein. Alors, caisse de démarrage, on met tes affaires que tu as réparées, sont nickel, superbe. Tu mets ça, voilà. Il te reste ça sur toi, hein. Ok. Fais voir l'inventaire, tiens. Il passe entre les portes simples. Ouais, mais là, étant donné qu'il a mis des balustrades, je pense qu'ils vont plus passer. Ils vont plus pouvoir passer par-dessus, hein, je pense. Là, ils vont être un peu coincés. Son mâchoire, sinon. Hein? Ah, ok. Non, mais c'est bon. Il y a des œufs durs, non? Balustrade et encadrement dans l'armoire près du lit. Voilà. Je te range ta papaye et ta fibre, si tu veux. La paille. La fibre. Par contre, faut que tu me dises la peau et le silex. Dans les armoires prévues, donc ok. La peau, je sais pas. Tu en as une de peau? Ah bah oui. Et le silex, je sais pas. Dans pilon et on met dans le frigo. Ok. Alors le silex, je te le mets dans le pilon. Écoute. On va faire comme ça. Hein. Voilà. Et on prend la poudre d'étincelle et on la met dans le frigo. Et ben voilà, t'as plus rien sur toi, t'es nickel, t'es chrome. Ok, ok. No problemos. C'est bon pour toi? Eh ben c'est bon, alors. Nickel. Let's go. Hop. Drop. Bon bah c'est bien, vous êtes satisfaits tous les trois, je pense, hein? Tranquille ou tranquille. Bon, bah Arthur, il commencera la partie demain avec The Center. Hein. Je pense que je commencerai de bonne heure pour The Center. Hein, peut-être à 15 ou 16 heures. Hein, peut-être. Hein, voilà, pour avancer dans l'aventure, The Center. Parce qu'il y a énormément à faire pour le démarrage de The Center.
Et après, je ferai Harker. Et après Harker, je prendrai bah, celui-là qui est là, quoi. Baobab, t'es pas là demain, je crois, c'est ça, hein, tu m'as dit. Tu seras là mercredi. Alexa, stop. Bah voilà, nickel, Baobab, hein. Impeccable, hein. Tu fais que les pièges sur terre, ouais, mais c'est intéressant aussi sur les radeaux, hein. Ouais, c'est vrai que. Voilà. Bon, bah, sur ce, moi, je vais vous laisser, hein, voilà. Donc, c'était un très, très bon épisode. Moi, je suis satisfait de Baobab, Accent des Raptors. Hein. Ils ont fait de très, très bons épisodes. Et puis, bah, on avance, hein, on avance, il n'y a pas de problème. Vous voyez, là, il y a les Megatherium derrière, tout prêt pour le boss de The Center, tu vois. Et j'ai mes T-Rex, là, vous voyez, hein. Donc, je pense que The Center, ça va aller assez rapidement, hein, quand même. Hein. Voilà. Enfin, on sait jamais, hein. Il faut trouver les artefacts aussi. Hein. Ok, tu seras pas là demain, Baobab. D'accord. Donc, il y aura Raptor, il y aura Axand, il y aura Harker et il y aura The Center. Impeccable. Impeccable, bien. Donc, bah, on se voit mercredi, Baobab. Bon, bah, je vous souhaite une très très bonne soirée. Rendez-vous à demain, entre 15h et 19h, donc. Hein. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, bon courage pour demain matin ceux qui travaillent. Moi ça y est c'est bon, j'ai fait pas mon année quand même, j'ai travaillé 4 jours. Donc voilà. Donc bah, je vous donne rendez-vous à demain, il y a nos problèmes. Et passez une bonne soirée. Bonne fin de soirée à tous. Ciao, bye bye, à tous.